À travers ce film, nous allons aller à la rencontre de quelques-uns des plus beaux poissons que l'on peut croiser sur le littoral français. Sar, bar, maigre, dorade royale et dentif. Au fil des images, je vous présenterai pour chacune de ces espèces les techniques de pêche sous-marine appropriées afin que pour tous, ces rêves de chasse deviennent réalité. Le sar, bien que dépassant rarement 3 kg, est un des plus beaux poissons à pêcher sur notre littoral, car c'est un adversaire difficile à approcher. Sa chasse est plaisante et sa chair est très agréable. Personnellement, je le pêche principalement en Sud-Bretagne sur les côtes morbihannaises, où celui-ci est bien présent quasiment toute l'année. C'est un poisson que l'on peut aussi croiser en Méditerranée, en Atlantique et de plus en plus en Manche, où il remonte maintenant jusqu'aux côtes du Cotentin en Normandie. Ce poisson développe une grande méfiance vis-à-vis du chasseur et sa recherche implique une grande discrétion, soit pour l'approcher à l'indienne, soit pour le faire venir à l'agachon, afin d'avoir ensuite le temps nécessaire pour le viser et le tirer. Dans le cas contraire, vous constaterez que sa fuite est immédiate. Pour pêcher le sar, la première question à se poser est de comprendre où évolue ce poisson. En Atlantique, il faudra principalement fréquenter le haut des Moulières à marée haute, idéalement par coefficient de 80 minimum. C'est sur ces secteurs de roches colonisés par les coquillages et immergés de quelques mètres d'eau que les bancs viennent se nourrir. Ces zones de relief pourvues de coquillages peuvent être des secs, des tombants, des plateaux rocheux. Le pêcheur sous-marin peut également espérer croiser des bancs parfois importants, plus en profondeur, notamment à marée basse, mais ils sont souvent plus difficiles à localiser. Le chasseur doit ensuite se poser la question de la technique de pêche à adopter. Pour le sar, deux méthodes de chasse sont à privilégier. L'indienne, très discrète, pour surprendre le poisson, souvent dans peu d'eau, et l'agachon, quand le chasseur se dissimule sur un poste au fond afin de faire approcher le poisson en jouant sur sa curiosité. La pêche à trous du sar, moins employée en Bretagne Sud, peut s'avérer intéressante certains jours et dans d'autres régions. Gardez aussi en mémoire que le comportement du sar peut varier, selon le littoral, selon les vents, le coefficient de marée et selon les saisons. Le chasseur devra donc être très observateur pour comprendre quel est le comportement du poisson et adopter la technique de chasse appropriée sur une zone qu'il découvre. Parlons matériel. Pour le choix des palmes, je conseille l'utilisation de carbone pour plus de fluidité et donc de discrétion dans les déplacements à l'indienne. Concernant le lestage, en Bretagne Sud et plus généralement en Atlantique et aussi en Manche, c'est souvent une pêche qui se déroule depuis la surface dans quelques mètres d'eau. Il faudra alors prévoir 1 kg de plus ou deux que son plombage habituel, afin de pouvoir progresser ou se poster sans effort et discrètement dans les petits fonds. Enfin, l'utilisation d'une arbalète assez longue d'un mètre est un bon compromis, permettant un tir un peu éloigné à l'agachon, mais aussi suffisamment de maniabilité dans une approche à l'indienne. Le fusil sera équipé d'un moulinet, d'une flèche courte et de sandaux puissants.
Voici quelques conseils sur le comportement d'approche du pêcheur sous-marin en quête de sar. Pour la pêche à l'agachon et face à la méfiance innée du sar, le déplacement en surface doit être très discret. Une fois arrivé sur la zone de prospection que vous identifiez comme intéressante, il faut vous immerger avant d'apercevoir les poissons. La descente doit être également la plus discrète possible. Canard, écoulée silencieuse, progressez ensuite en rasant le fond. Et si vous devez remonter le long du tombant, faites-le en vous halant avec la main. Ce déplacement d'approche s'apparente donc à la chasse à l'indienne. Arrivé sur le poste, privilégiez un secteur positionné en limite inférieure de la moulière afin de ne pas être aperçu par les poissons. Le fusil doit toujours être pointé vers le haut. Vous devez être concentré et si la visibilité est limitée, affûtez votre regard pour détecter l'ombre des poissons convoités. Le tir doit être rapide et précis pour éviter d'alarmer le reste de la colonie. Si vous pêchez le sar à l'indienne depuis la surface ou dans 2 ou 4 mètres d'eau, la plus grande discrétion s'impose. Laissez-vous porter par le courant en évitant tout palmage. Utilisez les mouvements d'eau provoqués par la houle. Le doigt crispé sur la détente car le tir est souvent instinctif. Enfin, pour les débutants, je conseille de privilégier la pêche du sar à l'indienne pour couvrir plus de terrain et avoir ainsi plus de chances de découvrir les secteurs où évoluent ces poissons. Thank you.
Parfois, il est possible de tenter un doublé. Pour cela, il faut suivre le déplacement du groupe et attendre qu'un sar se place devant un autre. Attention, le créneau de tir ne sera que de quelques fractions de seconde. Si il y a bien une espèce emblématique en pêche de loisirs en mer, c'est bien le bar. Présent de la Méditerranée, où il prend alors le nom de loup, jusqu'aux côtes du Nord-Pas-de-Calais, le bar se pêche sur tout notre littoral. Parfois curieux, parfois méfiant, ce poisson intelligent est aussi recherché pour ses qualités dans l'assiette. Je pratique principalement cette pêche en Bretagne Sud, plus précisément sur les côtes morbihanaises. Au large de Quiberon, sur les îles de Hédic, Watt et Belle-Île. C'est aussi un poisson que je recherche sur le littoral de la Manche, mais plus occasionnellement. Avec plus de 35 ans de pêche sous-marine, je me suis spécialisé sur la chasse sur bar à l'agachon. Quelques mots de présentation sur ce vaste secteur de pêche que représentent les îles morbihanaises du large. La profondeur en mer oscille entre 2 et 25 mètres suivant les zones. Sur Belle-Île et Watt, les courants sont forts, alors que sur Hédic, situé à 25 km de Quiberon, ceux-ci sont plus modérés. Les fonds sont variés, sable et roche, plateaux rocheux recouverts de laminaires ou de sargasses, secs recouverts de moules et de pousse-pieds. Pour rechercher les bars, il faut connaître ses déplacements en fonction des saisons. En hiver, de janvier à mars, le bar préfère les grandes profondeurs situées au grand large de Belle-Île. Là,
où les poissons se regroupent pour frayer. Il est à noter que c'est malheureusement durant cette période, où l'espèce est particulièrement vulnérable, que des bancs entiers sont capturés par les chaluts des pêcheurs. Puis, durant le mois d'avril, lorsque la température de l'eau remonte, on peut assister aux premières remontées de barres des grands fonds. Cette migration saisonnière se déclenche lors de conditions climatiques favorables depuis quelques jours. Première chaleur, absence de vent. Même si les premières rencontres de barres sont alors possibles dans les petits fonds, avec des poissons dont le comportement est nerveux, les barres restent malgré tout plus présentes dans des profondeurs moyennes entre 18 et 25 mètres de fond. Ce n'est qu'à partir de la fin mai que les poissons se rapprochent véritablement des côtes pour coloniser la plus grande partie des secteurs par petits fonds et y rester jusqu'à l'automne. Retenez que la migration saisonnière est très liée à la température de l'eau. En dessous de 12 degrés, la remontée du poisson est timide, alors qu'au-dessus de 15 degrés, la dispersion du poisson en côte est franche. Ce constat est d'ailleurs le même sur l'ensemble du littoral d'Atlantique ou de Manche. Abordons les techniques de la pêche du bar. La technique crène pour capturer un bar en pêche sous-marine reste la chasse à poste, que l'on nomme aussi agachon. J'utilise aussi cette technique, mais comme je pêche beaucoup en bateau sur des zones à fort courant, je couple cette pêche au poste à une pêche en dérive. L'avantage de celle-ci est de pouvoir balayer des zones importantes sans trop d'efforts et une très grande discrétion, grâce à un palmarge en surface quasi absent. Cette méthode permet de rester en contact durant toute une sortie avec les poissons qui circulent eux aussi sur la zone prospectée. Cette technique permet également de tirer des poissons en pleine eau. Personnellement, j'évite de tirer les barres à trous. Je préfère ainsi gérer et préserver les pierres qui leur servent d'abri en les faisant sortir à l'agachon. Je crois que cette méthode permet une bonne gestion à long terme de la présence du poisson sur la zone par une pression de pêche moins importante. Côté matériel, pour chasser le bar à l'agachon, j'utilise une arbalète d'un mètre équipée d'un moulinet, d'une flèche courte et de 100 dos puissants. J'utilise cette configuration aussi bien en eau sale qu'en eau claire. Voici quelques conseils utiles pour pêcher le bar. Lorsque les poissons approchent en banc, il faut choisir un individu et en général ne plus en changer. Ceci tout en suivant du regard les réactions des autres bars afin d'anticiper ou pas le tir selon leur niveau de nervosité. Quelques mots sur la pratique sur épave. Ce sont des lieux de pêche très prisés des pêcheurs en apnée, car les bars affectionnent ces abris de fortune. C'est une chasse passionnante avec l'espoir de capturer de gros spécimens. Mais attention, pour des raisons de sécurité évidentes, il faudra être très attentif au moment de la descente en arrivant sur l'épave, tout particulièrement si l'eau est sale. Le risque de blessure ou d'accrochage avec les taux lacérés ou des pointes d'acier rouillé peut rendre l'action de chasse dangereuse. Soyez aussi particulièrement vigilant avec les restes de filets accrochés aux structures, car ils peuvent retenir un chasseur qui dispose par nature d'une autonomie limitée en apnée. Une règle générale consiste aussi de ne pas pénétrer dans l'épave. Pour débuter la pêche sur épave, il faut un minimum d'expérience, pêcher moins profond que ses possibilités en pleine eau,
utilisez impérativement un moulinet et de préférence, effectuez sa découverte avec un pratiquant qui la connaît déjà. Enfin, concernant le tir, s'il est effectué dans les tôles, il doit être rapproché, précis et effectué avec un trident spécial afin de sécher net le poisson. Cela permettra d'éviter l'enragage et les complications pour récupérer le poisson fléché. Un autre conseil sur épave. Afin de sécuriser les premières descentes et d'atténuer le stress engendré par cette ambiance particulière, effectuez un balisage en surface avec une bouée et suivez le fil de celle-ci lors de la descente. Cela vous permettra de prendre des repères au fond et de mieux prospecter les structures ensuite. De nos jours, l'aide d'un GPS sondeur traceur est bien utile dans la pêche sous-marine du bar, pour localiser plus facilement certaines roches ou épaves qui retiennent le poisson. Bien qu'adepte de la pêche du bar à la gâchon, il m'arrive parfois de pratiquer la pêche à trous, essentiellement les jours où le poisson est absent en pleine eau. Comme sur épave, lors du tir, le bar doit être si possible immobilisé du premier coup pour éviter l'enragage. La chasse à trous permet aussi d'effectuer de temps en temps un joli doublé. Dans ce type de chasse, soyez sélectif. Privilégiez un tir en périphérie de la pierre abri et, si vous optez pour un prélèvement directement à trous, ne visitez celui-ci qu'une ou deux fois par an pour que les poissons ne l'abandonnent pas durablement. Comme sur épave, lors du tir, le bar doit être si possible immobilisé du premier coup pour éviter l'enragage. La chasse à trous permet aussi d'effectuer de temps en temps un joli doublé. Thank you.
pour sa taille exceptionnelle, sa rencontre aléatoire et la qualité de sa chair, le maigre est bien le poisson mythique de l'Atlantique. Pour rechercher efficacement ce poisson difficile à trouver, il faut comprendre son biotope et son cycle de migration saisonnière. Le maigre affectionne les fonds de sable, mais également les substrats rocheux bordés par des étendues sablo-vaseuses. Il se plaît aussi dans les embouchures de fleuves, où il remonte pour y frayer, comme notamment l'embouchure de la Gironde. Vers la mi-juillet, si l'eau est chaude, poussée par des vents favorables et les coefficients de marée importants, les bancs de maigre remontent d'abord sur les îles de Charente-Maritime, Oléron et Ré, puis le long de la côte vendéenne. Au fil de l'été, ils pourront être rencontrés un peu plus au nord jusqu'en Loire-Atlantique. Le maigre est un carnassier semi-pélagique. Celui-ci consomme en grande quantité mulets, chinchards, sèches, sprats et crustacés. Même les bars font partie de son régime alimentaire. La pêche du maigre nécessite un matériel en bon état. Pour pêcher ce poisson qui peut dépasser les 50 kg, il faut porter un soin particulier à la préparation du matériel. L'utilisation d'une arbalète puissante est recommandée. Le fusil doit être aussi équipé d'un moulinet à grande capacité de fil pour résister à l'attraction du maigre après le tir. Le fil qui relie la flèche au fusil doit être en parfait état, sans usure préalable, pour éviter sa rupture lors du démarrage du poisson. Enfin, la flèche d'un diamètre classique de 6,5 voire plus sera équipée d'un ardillon long, voire d'un double ardillon. Quelques conseils lors du tir. Celui-ci doit s'effectuer de préférence en 3 quarts arrière, ce qui diminuera le risque de torsion et d'arrachage de la flèche. Il ne faut surtout pas tirer le poisson en pleine tête, car la densité osseuse de celle-ci est importante et elle fera obstacle à la pénétration de la flèche. Le maigre est un poisson qui se mérite. La prise d'un maigre peut être le résultat d'une rencontre fortuite, mais c'est typiquement un poisson dont la capture, et encore plus pour être répété, est le fruit d'une recherche intensive et spécialisée, parfois entreprise sur plusieurs sorties. Durant cette recherche, il faut s'astreindre à ne pas céder un tir sur une autre espèce, comme le bar, pour attendre et espérer voir arriver ce grand poisson un peu indolent. Néanmoins, il arrive régulièrement que sa rencontre soit vraiment un coup de chance. Beaucoup de débutants ont pu ainsi tirer le poisson de leur vie, parfois même de la surface. Enfin, le meilleur conseil que l'on peut donner concernant la recherche de ce poisson est de pratiquer en équipe. C'est particulièrement vrai après le tir, où il faudra tenter de maintenir le maigre fléché depuis la surface et demander à son équipier de le doubler pour assurer sa capture. Partez donc à sa recherche avec un chasseur réactif et sûr qui vous pouvez compter. Et notre copain qui est là, qui a perdu son groupe d'amis. Un peu raide, après une petite journée passée en mer. Jolie tête. Grande beauté. Très très beau. Très beau poisson. Je vais essayer de mettre un peu à l'avant si tu veux.
décale-toi un petit peu. Bah alors. Et il va falloir se muscler là. Ah, il va falloir se muscler. Magnifique poisson. La dorade royale est un poisson magnifique avec sa barre dorée entre les yeux. Très méfiante, c'est l'un des meilleurs dans l'assiette. Surnommée italien ou gueule pavée en Bretagne Sud, elle est bien présente à certains moments de l'année sur des secteurs très localisés en Atlantique. Sur le littoral de la Manche, elle est aussi plus occasionnelle l'été et remonte jusque sur les côtes du Cotentin en Normandie. En Méditerranée, elle est beaucoup plus présente. Passons à sa capture en pêche sous-marine. Pour prospecter les zones favorables, j'utilise une technique composée d'un mélange d'agachon et d'indienne. Plus rarement, je vais la capturer à trou. La profondeur, on peut la rechercher, varie entre 2 et plus de 15 mètres. Je la chasse principalement à partir du milieu de l'été, lorsqu'elles viennent s'alimenter par petits fonds. Pour espérer la croiser, il faut rechercher les biotopes qu'elle affectionne. Fond de sable ou de merle, riche en coquillages et baigné par le courant, ainsi que sur certaines moulières qui leur servent de garde-manger. Sur le plan du matériel, j'utilise comme pour le sar un plombage un peu plus important pour pêcher à faible profondeur. Des palmes en carbone pour une bonne réactivité me permettant d'évoluer facilement lors des déplacements à l'indienne. Une arbalète d'un mètre, voire d'un mètre dix. Et une flèche de 7 mm munie d'un double ardillon. Mon fusil est équipé d'un moulinet. Indispensable pour amortir le départ réactif de la dorade si celle-ci n'est pas bien fléchée. Retenez enfin que, plus que pour les autres sparidés rencontrés en Bretagne, la royale se montre extrêmement méfiante et difficile à faire approcher. La discrétion est donc la qualité indispensable à travailler pour capturer ce poisson.
Notez également que la dorade utilise pour sa propre sécurité des vigies, qui ne sont autres que des petits sarres isolés en périphérie du groupe. Il ne faut surtout pas les affoler, mais plutôt essayer de les ignorer. Pour qu'ils ne donnent pas l'alerte à défaut, vous entendrez immédiatement les violents coups de queue émis par le démarrage des dorades en fuite. Par contre, si sa rencontre à trous est plus rare sur nos côtes, la dorade est alors dans ces conditions facilement vulnérables. Le danty est un prédateur côtier qui en impose par son allure majestueuse. Sa mâchoire caractéristique est dotée de 4 bailles canines qui lui ont donné son nom. C'est le poisson roi de la Méditerranée. Beau, approchant difficilement, délicieux et par conséquent très convoité par les pêcheurs en apnée. Parti avec Phil, qui m'a
campagne, vraiment sympa. La découverte un peu des eaux corses, de son pays, Sagone. On a essayé de trouver le Denti, on en a vu la semaine dernière, et on va essayer de les retrouver. Allez. Voilà. Ça sera avec plaisir d'en voir un au moins. On va le trouver. Oui. Pour le chasser, il faut comprendre son mode de vie. Le denti vit entre 10 et 200 mètres de profondeur sur des fonds rocheux de coralligène, mais aussi sur des herbiers de posidonie. Il consomme des céphalopodes, du poisson fourrage comme des sardines et des sprates, ainsi que des crustacés. L'aide d'un GPS sondeur vous sera bien utile pour localiser les sectes isolées. Baigné d'un petit courant, riche en vie, zone de passage des dentis. Menu simple, 9 touches. Là, les différentes fonctions. Personnalisable. Grande définition d'écran. Le top actuellement. Bon, on va utiliser la cartographie ainsi que le son. Retenez aussi que l'aube et le coucher de soleil sont des moments propices pour rencontrer un denti par petits fonds, car celui-ci remonte alors pour s'alimenter dans moins d'eau. L'utilité d'une longue arbalète pour chasser le denti. Ce poisson étant particulièrement méfiant et difficile à faire approcher, privilégiez l'utilisation d'une arbalète de 110 minimum, équipée d'un double voire triple sando, d'un moulinet grande capacité, garni d'une cinquantaine de mètres de fil et d'une flèche double ardillon de diamètre 7 minimum. Quelques points techniques sont à retenir pour capturer le denti. Pour rechercher la vie et les dentis en quête de poissons fourrage, il faut rechercher la profondeur de séparation des eaux froides et chaudes, la fameuse thermocline. Le poisson, se tenant dans la couche d'eau chaude, il est donc inutile de pêcher plus bas. Thank you.
Le denti se pêche presque exclusivement à la gachon. Pour rejoindre le poste d'attente, il est conseillé de rejoindre celui-ci à l'indienne pour ne pas être aperçu par le poisson. Ce poste pour l'agachon doit être idéalement à l'ombre et le plus dissimulé possible du regard du denti, afin d'exciter sa curiosité et de le faire ainsi approcher. En règle générale, le tir doit s'effectuer de face lorsque le poisson se dirige vers la flèche. Le denti, ayant la faculté de se détourner au dernier moment d'un tir déclenché trop tardivement, les tirs plus lointains seront effectués sur du poisson en mouvement. D'où l'intérêt d'utiliser une arbalète puissante. Un conseil, si vous venez à décrocher malencontreusement un denti, prospectez finement dans les pierres avoisinantes. Le denti, ayant tendance à s'enraguer après un tir ou lorsqu'il se décroche, vous avez une chance de le retrouver. Gardez enfin en mémoire qu'en raison de la méfiance du denti, la pêche de ce poisson peut impliquer une profondeur d'évolution et un temps d'apnée important, et que son intérêt et sa traque peuvent inciter le pêcheur en apnée à prendre des risques, avec, à la clé, une syncope pour le chasseur trop téméraire. Thank you.
screaming loud. This is what I say now. À l'image ici, quelques dorades grises ou cantares en Méditerranée sont présentes dans ce petit banc de Sahara. Pour récupérer et se préparer calmement, il est nécessaire d'avoir des temps de récupération importants en surface afin d'espacer les apnées. Privilégiez aussi la pêche à deux dans la chasse du denti avec la surveillance d'un équipier en surface. Cette sympathique famille de corbes vient me rendre visite. Ils ont senti que je n'étais pas un danger pour eux. Et pourtant, parmi eux, deux ou trois corbes accusaient certainement les 2 kilos. Try to make some people know the system.
mérite un peu. Depuis le lever du jour, on le cherche. Avec ses dents, dans son nombre d'antan ou d'anté. Attention, le dentier étant un poisson très méfiant, la profondeur et le temps d'apnée peuvent être conséquents. Dans ces conditions, la syncope guette le chasseur trop téméraire. Il est nécessaire d'avoir des temps de récupération importants en surface afin d'espacer les apnées et de travailler en binôme.
Cette jolie royale viendra clôturer en beauté nos rêves de poissons.